Il y a, je crois, 48 heures, nous avons reçu un courrier du Premier ministre qui a invité l'UFDG et la NAD, en plus d'autres coalitions, à venir à une rencontre de prise de contact avec lui. Et donc, c'est de cela qu'il a été question. Lui-même, il a rappelé d'entrée de jeu que c'était une rencontre de prise de contact. Donc, nous l'avons écouté. Conformément à son discours de prise de fonction, il avait affirmé vouloir, en tout cas, composer avec toute la classe politique, toutes les coalitions politiques, essayer de relancer en tout cas le processus politique dans un cadre d'inclusivité. Et donc vous savez que depuis beaucoup de temps, nous ne sommes pas autour de la table parce que nous avions estimé que ce n'était ni le cadre, en tout cas ni le contenu, rien n'était approprié. Nous sommes habitués au dialogue politique dans notre pays depuis les années 2010. Et donc cette fois-ci, nous avons jugé opportun en tout cas de venir saisir la main tendue du Premier ministre en attendant de savoir quelle orientation cela va prendre. Aujourd'hui, c'est une réunion de prise de contact. Nous avons par devers nous nos mémorandums, nous avons nos revendications, mais nous ne les avons pas étalées aujourd'hui. Nous avons juste attiré son attention qu'il est le troisième Premier ministre en l'espace de 2 ans par rapport à cette transition. Nous lui avons dit que le pays va mal et très mal. Et nous lui avons dit également que de notre côté, quand nous entendons dire qu'il faut d'abord travailler sur les questions économiques, les questions sociales et enfin sur les questions politiques. Moi, en tant qu'acteur politique, j'ai rappelé que les crises sociales et économiques sont nées de la crise politique. Parce que s'il y avait réellement la volonté politique de travailler à retour diligent à l'ordre constitutionnel, nous n'allions pas connaître tous les soubresauts sociaux et économiques que nous vivons aujourd'hui. Et donc, il faut très rapidement faire en sorte que les réunions sectorielles annoncées puissent avoir lieu, que l'inclusion soit au rendez-vous. Aujourd'hui, nous avons nos leaders en dehors du territoire national. Il faut s'inspirer de ce que d'autres ont réussi ailleurs. Quand vous prenez les Tchad de d'autres pays, ceux qui étaient les leaders, en tout cas qui étaient en exil, sont rentrés au pays. Et donc, aujourd'hui, quand nous voulons construire la nation, quand nous voulons construire la Guinée, quand nous voulons ramener tout le monde autour de la table, on ne peut pas laisser celle de Sidia en dehors de la République de Guinée. Ça, ce sont des préalables que nous avons. Et de l'autre côté, ce que nous avons toujours réclamé, c'est qu'on ait un véritable dialogue, un dialogue fécond autour duquel nous allons rediscuter de cet agenda dynamique. Nous l'avions déjà dit que cet agenda, c'était un jeu de dupes entre le CNRD, le gouvernement de la République et la CEDEAO. Aujourd'hui, nous sommes à quelques 9-8 mois et vous-même, vous avez suivi le Premier ministre qui lui-même a annoncé déjà le glissement alors que cette question n'a pas encore été discutée. Pour nous, c'est dans un cadre formel où l'article 77 est respecté, que la question du chronogramme doit être rediscutée, que la question de son financement doit être rediscutée, quelles sont les activités qui doivent être menées et dans quel délai pour que nous puissions sortir de cette transition-là. Donc nous attendons avec beaucoup d'impatience ces réunions sectorielles pour savoir quelle est l'orientation que cela est en train de prendre. Et nous avons aussi apporté quelques conseils. Nous avons rappelé que le Premier ministre connaît les acteurs politiques, il connaît les problèmes aujourd'hui qui assaillent notre nation. Et quand il y a la volonté politique, il peut y arriver, mais qu'on évite de faire du surplace. Troisième Premier ministre, il a l'opportunité de capitaliser les acquis des deux autres, mais aussi de tirer les leçons par rapport à ce qui n'a pas fonctionné et qui a abouti à la dissolution spectaculaire, extraordinaire que nous avons connue. Le Premier ministre n'a pas tout à fait de débat aujourd'hui. Le Premier ministre a annoncé que dans les prochains jours ou les prochaines semaines, des réunions sectorielles auront lieu pour que nous puissions, vous savez que dans un toi-boi comme ça, où vous avez des hommes politiques qui applaudissent, à la moindre communication, on ne peut pas faire un travail sérieux. Il faudrait que des réunions sectorielles soient là et que les questions soient sur la table pour que nous puissions discuter dans l'intérêt de la Guinée. Vous savez que souvent, ce qu'on prend chez l'homme, c'est la parole, jusqu'à preuve de contraire. Nous avons dit qu'il a les capacités, il a l'expérience, il connaît la classe politique, il connaît le pays. Est-ce qu'il a la volonté politique? Je dirais oui, parce qu'il a organisé cette rencontre dans un premier temps. Est-ce qu'il a les coups de France? Parce que contrairement à la transition de 2010, où le général s'occupait de tout ce qui est réforme du secteur de la sécurité, le Premier ministre Jean-Marie Doré d'alors s'occupait des questions politiques et du retour à l'ordre constitutionnel, tout est concentré dans les mains du CNRD. Aujourd'hui, c'est ça la grande différence. Est-ce qu'il aura les coups de France? Est-ce qu'il aura le mandat de mener ces réformes qu'il envisage mener? Demain nous dira de quoi il s'agit.